C'est beau ça, voilà. Regardez Fréour. Mais tu sors de la bagnole, oui. Regarde-les, voilà, voilà. Mon vieux, voilà. Regarde, ouais. J'essaye de montrer. La France éternelle. La France. Oh, tu vois, regarde. Attends, oh, la vache. Mais oui, c'est le Verdon, mon vieux. Gorge du Verdon. Regarde, le problème, c'est que la GoPro, c'est très bien pour faire des trucs, mais après, là, on voit pas la distance. Mais Grand Canyon. Mais qu'est-ce que tu crois, mon vieux? Qu'est-ce que tu crois? Pourquoi il s'arrête, Roubody? Pourquoi il monte le décor, même si... Hey. Hein? C'est quand même une voiture de footballeur. Là, on va se faire huer et tout. Mais attention, les gens, ils pensent que j'émets un jugement de valeur en disant ça. Non. Pour moi, c'est très cohérent quand je dis footballeur. C'est-à-dire que c'est une voiture qui montre, qui est là pour montrer la puissance et la gloire. Mais c'est Château-Vallon. Puissance et... Mais c'est même plus que ça, c'est... Non. C'est pas puissance et gloire au royaume de Château-Vallon, c'est je te montre que j'ai des couilles. C'est ça, cette bagnole. Et... Ah, tu penses qu'on rentre vraiment dans une psychologie? Mais c'est pas une psychologie, là. On est... Attends, t'as vu la face de la bagnole BMX 6? Peut-être que demain, on vous racontera tous les détails qu'on nous racontera ce soir, mais... Grosse roue, gros machin. Mais c'est pas désagréable. C'est comme tu peux aimer un carpaccio de dorade et bouffer un gros hamburger. C'est ça la bagnole, si tu veux. Moi, ce qui me fait rire, c'est que quand je vois les fauteuils, tu vois, avec les dégradés, là, enfin, pas les dégradés, mais matelassés, etc., dont ils nous ont pas parlé, on serait chez Renault ou Citroën, on aurait 7 heures de cours là sur les cuirs ou les... Tu sais, parce que là, on a des cuirs un peu travaillés. Ah ouais, mais contrairement à la vidéo initiale, là, tu as le choix des cuirs. Oui, mais non, c'est pas le même tarif. Faut pas comparer ce qui n'est pas comparable, alors, Cédric. On va comparer ce qui est comparable. Quoi? Sur une Mini, tu as le choix des cuirs. Oui, mais là, et tu ergotes. C'est pas le sujet. Je te dis que c'est une... Le X6... Alors, il y avait une histoire dans la première version. Au début, il y avait que 2 places à l'arrière, tu te souviens? Oui. Et ils ont cédé, ils ont mis ça. Et finalement, ils ont mis une banquette et à ce moment-là, ils se sont mis à en revendre beaucoup. C'est-à-dire que même si l'histoire ça a été un très gros succès, il va nous dire, je ne sais pas combien il y en a vendu, même eux ont été surpris. On en reparlera demain, mais il faut regarder les ventes et le mix des ventes entre X5 et X6. Ouais. Et en fait, le X6, il a un vrai succès d'estime. Ah, mais plus que ça, non, mais même pas que d'estime. Et alors, comme ils viennent de sortir le X4, j'ai l'impression qu'on est encore fait des maths. Ils se ressemblent vachement. Oui, mais du coup, celui-là, il le positionne encore plus que je te montre que j'ai une paire de couronnes, si tu préfères autrement. Très importante. Mais oui, mais encore une fois, les gens vont dire, ouais, Roubody, qu'est-ce que vous racontez et tout. Je te dis, c'est cohérent et ça marche parce que cette voiture ne ment pas. Elle te raconte ça. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, je répète, ce qui marche, c'est la cohérence et une certaine vérité dans la cohérence. Comme on est perdu, comme on est en mutation, comme on est... Les choses qui disent clairement ce qu'elles sont. Elle ne te raconte pas de conneries, elle te vend la voiture. Voilà, après, c'est pas le sujet de savoir si on l'aime ou si on l'aime pas. C'est pas bien sûr que c'est une bonne voiture. Aujourd'hui, toutes les voitures sont des bonnes voitures. Encore qu'on a été surpris, elle est lourde et sur les petites routes, le gabarit et la masse fait que... on s'est quand même dit. On a le sentiment de monter dans une voiture qui va être super agile, et malgré tout, on a une petite déception. Non, mais regarde les haillons, comment on appelle ça, les vérins. Les vérins, ouais, la taille des vérins, on dirait des torpilles. Tu comprends la philosophie de la bagnole avec la. Puissance et gloire. Attention, attention. Allez, regardez, voilà, vous voyez, c'est bien. Yeah. Hop là, putain, mais c'est qui conduit là? Salut. Ça roule fort là. Autour de Château.